Je me présente, je suis Tonin Chauvet. J'ai eu envie d'être député junior pour la raison que ça nous arrive qu'une seule fois dans la vie. Donc si jamais on voulait essayer, ça serait l'occasion. Et ça serait bien qu'une loi qui vienne de notre classe soit acceptée au Parlement. La proposition, elle va se prendre. C'est toute la classe qui va décider de la proposition. Et pour l'instant, le sujet de la loi, ça serait sur les aliments de la cantine. Je me présente, je m'appelle Alaïs Gonzalez et je suis la suppléante de Tona. Donc j'ai été élue en deuxième choix pour aller à l'Assemblée nationale. Pour aller là-bas, ça m'a très motivée parce que ça se passe une fois dans notre vie, puis après ça peut motiver pour aller dans la carrière politique. Alors, je viens de passer un très agréable moment avec les enfants du CM2 de Castellane, lesquels m'ont mitraillé de questions très pertinentes à propos du député, allant de que peut faire un député, que doit faire un député, comment fait-il pour aller à Paris, et puis plein d'autres questions. Et je crois que au travers de ce principe du Parlement junior, on permet à un certain nombre d'enfants de s'ouvrir à la question parlementaire et à la citoyenneté. Je crois que ça, c'est le primordial. L'année dernière, j'avais eu l'occasion aussi de faire cet exercice, qui était à peu près du même acabit, un peu renouvelé, parce que les questions ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque les enfants ne sont pas les mêmes. Ils sont ravis de pouvoir aller passer une semaine à Paris. Je les y accueillerai à l'Assemblée nationale. Et on les voit déjà très très heureux, ne serait-ce que quand on les regarde, de la joie qui se font de venir jusqu'à l'Assemblée nationale. Alors, je leur ai remis un petit document qui est l'hymne des Marseillais, comme il est écrit dessus. Donc, il s'agit d'un manuscrit autographe de la Marseillaise de Roger de Lisle, qui est diffusé par la bibliothèque de l'Assemblée nationale et donc offert par le député.